Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire la soupe de mâchoire en pays ébrillé avec de l'attiéké à l'huile rouge. Mais pour commencer, tout d'abord, j'espère que vous vous portez à merveille, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et on rend toujours gloire à Dieu. Et pour composer ma sauce, là j'ai un bon mâchoiron. J'ai aussi un peu de gombo, aubergine, trois oignons violets, trois piments, le nombre il reste facultatif, une tomate, un peu de tomate pâte. Un cumin poulet, un peu d'ail, aussi un peu d'alpi, appelé aussi communément au Cameroun Jansan, un peu de poudre de crevette, ma quantité d'huile rouge dont j'ai besoin et là ma boule d'attiéké. Donc c'est parti pour la recette. Et pendant que je passe au nettoyage de mon poisson, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go. Dans ma casserole, j'ai mon poisson qui est bien nettoyé avec du sel et du citron. Par-dessus, j'ai déjà mes trois piments, cube magie, les oignons, pardon, et la tomate. Je vais ensuite rajouter un peu de poivre. Et là, je vais rajouter de l'eau. Environ 350 ml d'eau ou 400 ml d'eau. On va refermer et laisser ça gentiment mijoter. Dans mon mixeur, là, j'ai écrasé mon api et l'ail, comme vous pouvez le voir. 20 minutes après, je viens retirer tomates, oignons et piments pour pouvoir les mixer. On va faire ça gentiment pour ne pas abîmer le poisson. Ingrédients bien mixés, je rajoute cela à l'intérieur. Avec un peu d'eau, j'ai rincé mon mixeur et j'ai rajouté aussi cela à l'intérieur. Et ensuite, ma poudre de crevettes. Et lorsque cela commence à bouillir, je vais rajouter la pâte de tomate à l'intérieur. On va refermer à moitié et à feu moyennement fort de préférence, laisser tout ça gentiment cuire. Et 10 minutes après, je viens rajouter là mon huile rouge ainsi que mon gombo et mon aubergine. Et là, on va refermer à moitié et laisser tout ça gentiment mijoter. Il y a cette sauce-là. Avec attiéké à l'huile rouge, comme je vais le faire tout à l'heure, ou attiéké simple, du riz ou bien foufou. J'ai dit, c'est quelque chose. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et là, on va passer à l'étape de l'attiéké à l'huile rouge. Donc là, dans un bol, j'ai mon attiéké que je vais venir là pour un premier temps émietter. Attiéké bien émietté ainsi. Là, dans un petit bol, j'ai juste un peu d'eau. Pas beaucoup. On va rajouter par-dessus. Et bien mélanger tout ça. Bien mélanger ainsi, je vais laisser cela au micro-ondes pour 4 à 5 minutes selon votre micro-ondes. Attiéké bien chauffé. Je vais d'abord aussi rajouter un peu de sel. Et un peu d'huile rouge. L'huile rouge, c'est comme vous le consommez. Là, j'ai mis environ une bonne cuillère à soupe. Et on va mélanger tout ceci afin que l'attiéké et l'huile rouge soient homogènes. Voilà, je vais mélanger encore pendant 1 à 2 minutes pour que l'huile puisse bien s'imprégner encore. Et puis mon attiéké à l'huile rouge est ready. Et on attend à ce que la sauce finalise pour qu'on puisse présenter le repas. Et 35 minutes après, on a une belle sauce là qui est prête là. Oh non. Vous savez que c'est beau. Regardez-moi cette texture là. Une belle sauce ébrillée de ma poisson mâchoiron. Donc là, je passe au dressage de mon repas. Après avoir ajouté tous les ingrédients là, j'ai laissé encore 35 autres belles minutes. Et voilà, c'est ready.